pense que ça serait classé R s'il faisait un film comme ça aujourd'hui. Je suis pas sûr. Hein. Je crois pas que Disney laisserait passer ça. Mais peut-être la Fox. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien? Bah écoute, ça va. Remis du Paris Manga? Ouais. Non, mon cœur ne s'y est pas remis, mais super. Mais il faut se remettre parce que la prochaine fois, il y aura peut-être encore... Faut se retourner vers l'avenir, vers les prochaines éditions du Paris Manga. Voilà. On va rien dire, même si on sait rien. On sait rien, nous ne savons rien. Alors, pour ce nouveau Tokuscope, on va revenir un peu dans le passé et revenir au début du Tokusatsu quand même, puisque donc, de mars à septembre, à la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui est au pied de la Tour Eiffel, il y aura donc une grande rétrospective sur 6 mois liée à la Shinto, donc l'un des studios et la petite sœur de la Tour, hein, on pourrait dire. Petite sœur, Bâtarde. Bâtarde, tête à claque, on va dire. Donc voilà, c'était l'occasion de revenir sur l'un des premiers super-héros du tokusatsu, et peut-être le modèle du genre. Qui a été produit par la Shinto, justement. Qui a été produit par la Shinto, donc Super Giant. Super Giant, Starman aux États-Unis ou Spaceman en France. Donc, pour des soucis de cohérence, on va rester sur l'appellation de Spaceman quand même. Mais sachez voilà, que le super-héros s'appelle Super Giant à l'origine. Donc voilà, donc le focus sera consacré au film de ce personnage-là. La Tokukave, bah, on poursuivra un peu cette exploration des super-héros spatiaux. Les ersatz de Spaceman. Voilà, mais donc cette fois, on parlera d'un film de la Toei, Prince of Space, et dans le Dikotoku. Dans le Nico Tuku, nous allons donc parler de Ken Utsui, grand acteur et qui fut notamment l'interprète de Spaceman. Voilà. Donc c'est parti, on remonte le temps dans le Toku Focus. Alors nous sommes à la toute fin des années 40 et on a tout un groupe de techniciens et réalisateurs de la Toho qui partent du studio, donc en fait ils font grève, mais ils finissent par monter, on va dire, leur petit ranch, entre guillemets, qui commence à grandir, qui s'appelle donc la Shinto, qui veut dire la nouvelle Toho. Et l'un des tout premiers films à sortir, c'était Chien enragé de Kurosawa. D'ailleurs, il va se tirer de la Toho temporairement juste après. C'était une époque un peu bizarre, hein. Même Eiji Tsuburaya, qui était encore sous contrat avec la Toho, va aussi lui être dégagé pendant un petit moment. Toute cette situation avec les grands noms de la Toho va être clarifiée à peu près au cours de ça. Certaines revalorisations sociales cette époque-là. Donc ça va être autour de 53-54 que ça va se décanter tout ça. Mais c'est vrai que la Shinto est un pur studio de dissidents, en fait. C'est-à-dire que les gens vont arriver, ils vont s'y installer. Il y a des gens comme Naruse ou même Kenji Mizoguchi qui vont faire quelques films. Il y a des grands noms qui ont bossé à la Shinto. C'est hallucinant. Et puis, petit à petit, ils vont switcher vers le film d'exploitation, surtout des polars et des films d'horreur. Ils vont notamment faire un des tout premiers films de vampires japonais avec Nobuo Nakagawa, qui était le spécialiste de l'horreur, qui avait fait des films à la Toho, mais qui va trouver finalement à la Shinto toute sa liberté, et il va faire quelques chefs-d'œuvre du Kwaiden Ega, donc des films de fantômes, comme Histoire de fantômes japonais, ou Jigoku, qui demeure un des grands chefs-d'œuvre du film d'horreur japonais. Et vu que c'était un studio donc, de films d'exploitation, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait aussi exploiter la veine des films pour enfants en créant un personnage de super-héros donc pour le grand public. Pourquoi film de super-héros? Parce qu'en les années 50, les films de la Toho, les films de science-fiction, les Godzilla, Rodan et Prisonnière des Martiens devenaient de plus en plus importants. C'était des gros cartons. La SF grandissait et il n'y avait encore pas de télévision à l'époque. Non, et puis bon, outre les films, il y avait aussi les mangas. Il y avait des mangas, il y avait les bouquins illustrés, les pièces radiophoniques, il y avait les romans aussi. Enfin, et puis les dessins de Shigeru Komatsuzaki qui proposaient des visions de SF assez énormes. Mais il fallait quand même créer un personnage de super-héros, un personnage positif,
pour représenter le bien, ce qui n'existait pas encore au cinéma pour la science-fiction. Oui. La Shinto va créer le personnage de Spaceman, qui est le premier super-héros de cinéma. Tout à fait. Alors certes, il y avait eu apparemment une première version de Golden Bat en 1950 qui avait été distribuée par le studio qui allait devenir par la suite la Toei, donc Tokyo Eiya. Donc voilà, Spaceman, Super Giant, c'est quand même le premier, enfin on considère que c'est le premier super-héros de cinéma. Live. Et donc autant les personnages comme Gekko Kamen ou Maburoshi Tentei vont être les premiers super-héros de télévision qui vont être créés successivement en 1958, 59, 60, etc. Spaceman, c'est vraiment l'archétype même du super-héros de Tokusatsu. Prototype. Voilà. Pour le cinéma et même pour la, enfin même de ce qui va devenir la télévision, parce que même Gekko Kamen ressemble énormément dans sa fabrication et dans sa structure à du Spaceman. Oui, mais c'est vrai que ça va lancer, on va dire, toute une mode de super-héros plus ou moins inspirés par Superman, tout ou en tout cas des héros toujours habillés de blanc avec des capes, avec des masques ou alors des espèces de bonnets sur la tête. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans cette forme d'innovation en termes de concept qui donnera plus tard des personnages comme Ultraman ou Kamen Rider. Le Japon est vraiment dans cette période encore de héros inspirés par le serial américain. Vraiment, comme je l'ai dit, des héros en cap. Et ils vont exploiter cette veine à fond à la toute fin, des années 50. Et la plupart des personnages auront d'ailleurs beaucoup, beaucoup de succès. Et ce qui est intéressant avec les films de Spaceman, donc il y en a 9, mais ce ne sont pas des longs métrages, ce sont ce qu'on pourrait appeler soit des longues featurettes ou alors des moyens métrages, ce sont des films qui font à peu près entre 40 et 55 minutes. Oui. Il y en a eu 9 qui ont été exploités donc, entre 1957 et 1959. Le but, c'était clairement de créer un prototype de série pour le grand écran. C'est ça, et surtout, ça se voit même dans la fabrication, c'est que les 6 premiers films sont toujours des doubles épisodes, en fait. C'est basé sur le format d'un serial, limite, où en fait, la première partie, par exemple, le film 1 se finit sur un espèce de cliffhanger qui est repris dans le film 2, le film 3 et aura sa suite dans l'épisode 4, etc., etc. Il n'y a que les 3 derniers films qui sont des stand-alone, des one-shot, mais les 6 premiers films sont vraiment des histoires en 2 parties à suivre en permanence. Tout à fait. Pour le scénario, ils avaient fait appel à Ichiro Miyagawa, et c'est vrai qu'il va vraiment reprendre les codes du serial américain pour les amener au Japon, notamment c'est toujours des situations qui demandent beaucoup d'action, beaucoup de cascades, des combats très très longs en général, beaucoup beaucoup d'effets spéciaux, et tout ça concentré effectivement sur des formats relativement courts, pour en extraire le maximum d'efficacité. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom même de Super Giant est vraiment ancré là-dessus. C'est que le super vient tout simplement de Adventures of Superman, donc la série avec George Reeves, qui était, on va dire, la plus grande adaptation de Superman à l'époque, peut-être même d'un comics quand même, parce que ça s'est resté culte des années. Et le Giant vient de Yomiuri Giant, qui était une équipe de baseball locale, et surtout qui marchait énormément à l'époque. Voilà, donc on surfe sur les modes de l'époque, sur les succès de l'époque. Soit c'est des noms de marques d'électroménagers, soit c'est des noms d'équipes de sport. Ce qui est très paradoxal, parce que Super Giant, même si c'est clairement le Superman japonais, il a rien de géant. Ah non, il a rien de géant. Voilà. Mais il a quand même certains pouvoirs assez... D'ailleurs, de quoi ça parle, Super Giant? Alors en fait, Super Giant, donc, c'est un super-héros qui vient de la planète Émeraude. La planète des Émeraudes. Oui, la planète des Émeraudes, en fait, et qui est clairement Krypton au Japon. Hein. Mais c'est des potes de la Terre, en fait. Voilà. Et du coup, il l'envoie pour aller secourir la veuve et l'orphelin des complots de méchants terroristes ou d'aliens qui viennent envahir la Terre. À noter que c'est un personnage artificiel. C'est pas vraiment un robot, mais c'est un homme artificiel qui est fait de l'acier le plus puissant. Et il a une montre, en fait, qui lui permet, ses pouvoirs viennent de sa montre, en fait, c'est une montre qui lui permet de voler, de parler plusieurs langages, et aussi de détecter la radioactivité. Oui. Voilà. Apparemment, il peut comprendre tous les langages de la Terre. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On est vraiment dans le recyclage de situations de serial. C'est soit les organisations extraterrestres qui veulent conquérir le monde, les organisations terroristes, ou alors c'est des gangsters. Donc on recycle vraiment les archétypes. C'est très terre à terre, malgré que ce soit des films de SF, c'est très terre à terre. D'ailleurs, vous avez rarement
des méchants aliens. Même les aliens se ressemblent beaucoup à des gangsters ou à des espèces de sectes. Enfin, c'est quand même très très sérial, très sérial. Et en même temps, c'est beaucoup shooté en extérieur. Il y a pas mal de plans tournés en extérieur. Ça alterne avec les gros décors de studio qui étaient immenses. Mais on sent qu'ils essaient de capter une certaine réalité japonaise de la fin des années 50. Avoir une certaine authenticité, et puis même le film de la Shinto quand même tournait pas mal en extérieur aussi. C'est un peu l'espèce de nouvelle vague, enfin d'équivalent. Mais c'est surtout des films qui ont été des laboratoires d'expérimentation pour leurs cinéastes, et pour un cinéaste en particulier, qui est Tero Ichii, qui est un réalisateur super important, qui deviendra l'un des grands maîtres du cinéma d'exploitation, d'horreur et des films de torture plus tard, à la fin des années 60, milieu des années 70. Et c'est vrai que Spaceman lui a permis d'expérimenter plein de choses en termes de mise en scène, de montage, et surtout une façon de filmer les scènes d'action et les atmosphères horrifiques qui étaient quand même assez novatrices pour justement ces petits films d'exploitation et qui allaient au-delà des aventures de Superman. Totalement. Spaceman n'a pas été qu'un succès au Japon, c'est un personnage, comme on l'a dit, qui a été exporté notamment en France sous le titre Spaceman, et surtout aux États-Unis, mais bien plus tard, genre dans les années 60, au milieu des années 60, c'est une firme qui s'appelait Walter Manley Productions, qui a remonté pas mal de séries japonaises. Exploités pour la télévision, notamment. Exactement, donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 9 moyens-métrages de Spaceman et ils les ont combinés en 4 longs-métrages d'1h20. Compresser un peu tout ça. Donc ce qui n'est pas plus mal pour les 6 premiers films, dans la mesure où c'est toujours des films en 2 parties. Là, on a un vrai film, comme ça se faisait beaucoup avec les pilotes de séries télé et tout ça, où on avait des versions cinéma de trucs remontés. On n'extrait pas beaucoup de choses, finalement. Bien sûr. Ça reste quand même très fidèle. Voilà, donc on a le premier film qui s'appelle Starman Atomic Rulers, donc qui reprend les épisodes 1 et 2, dans lequel notre héros arrive pour la première fois sur Terre et il affronte une organisation terroriste. Enfin, au début, ils ont plutôt l'apparence de mecs de gangsters qui enlèvent les enfants et tout ça pour une histoire de formule d'une arme révolutionnaire. Et plus d'un deuxième partie, Starman a infiltré. Clairement faire détruire La Terre. Ils ont carrément une base sur une île avec des fusées, si je me souviens bien. Ils ont des costumes blancs et tout ça. Et il y a aussi bien des Occidentaux que des Japonais. Mm-hmm. Qui est très intéressant dans le film, c'est que il faut savoir que même dans le remontage, il n'y a aucune scène qui a été rajoutée. Mmh. Par exemple, pas comme dans Godzilla, notamment, où des séquences américaines ont été rajoutées. Là, voilà. Dans le film japonais, vous avez vraiment des Occidentaux qui jouent dans le film japonais. Mmh. Voilà. Tout à fait. Oui. Déjà qui est intéressant, je trouve, à souligner. Tout à fait. Bon, par contre, ce qui est dommage, et ce qu'on va voir dans les autres films, c'est qu'il y a ce côté très austère qui est du fait de la version américaine, où vous avez cette sale habitude de couper les génériques, de remplacer par des musiques du cru, pour rendre ça très... j'ai pas envie de dire chiant, mais très austère. Mais c'est ça, parce que notamment vous enlève le fun, voilà. Vous passez de la musique de Chumei Watanabe, qui était une de ses premières compositions pour du toku, à de la musique de la Sound Library, de musique qu'on a réentendue dans plein de séries B qui étaient exploitées un peu n'importe comment. Là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, certes, les films américains, enfin, du moins les 3 premiers, restent quand même fidèles dans leur construction aux versions japonaises, autant c'est beaucoup moins fun. Oui, voilà, c'est ça. Donc ensuite, nous avons le deuxième film, donc, qui est connu sous le titre de Invaders from Space, donc qui reprend les films 3 et 4, où là, c'est plus vraiment la même chose. La formule évolue, puisque cette fois, donc Spaceman enquête sur un groupe de monstres qui s'appelle les Kaipan Seijin. Oui, qui ressemble beaucoup à des kappas, et des yokai. Ouais. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ça fait partie des premiers monstres de Tokusatsu. Mmh. Déjà, voilà, on est en 57, et déjà, on a cette formule-là de héros qui vont affronter des créatures humanoïdes, mais pas trop non plus. Oui, c'est ça. On a une partie qui est hallucinante. On a un professeur qui rentre chez lui avec sa fille. Il est accueilli par une infirmière un peu flippante qui leur fait parcourir la maison avec une bougie. Et elle regarde la caméra volontairement. Elle brise le quatrième mur pour faire flipper les spectateurs. C'est une séquence atmosphérique absolument hallucinante. Là, on est en plein dans le truc d'horreur Shinto. Hein. C'est flippant à mort. Je trouve ça génial. Il y a une scène de procession, de danse
dans la forêt avec les fameux Kaipan qui dansent autour d'un groupe d'enfants, oui, et au fond de l'écran on voit une espèce d'idole géant qui commence à se dessiner. Mais c'est totalement schizophrène, c'est splendide. Et totalement schizophrène, à la fois c'est un film de super-héros, en même temps c'est un film d'horreur. Tout à fait. Et à la limite du film pervers, parce que toutes les séquences entre les monstres et les enfants sont vachement bizarres. Et ouais, c'est étrange. Ouais. C'est vachement schizophrène, ce qui est pas plus mal, hein. Ce qui est au contraire ce qui fait toute la force du film et ce qui le rend intéressant. Moi c'est un de mes préférés, hein. Franchement, ce bloc-là, épisode 34, je trouve ça. Je trouve ça surprenant, c'est magnifique. Vraiment, je trouve que c'est vraiment cool. Et ça, j'aimerais bien voir la version japonaise pour voir la photo telle qu'elle est, parce que c'est vrai qu'avec la version américaine, c'est un peu dilué. Malheureusement, c'est tout le format 4 tiers qui bousille un peu le truc. Mais vraiment, il y a des expérimentations visuelles. Oui, non, franchement, c'est vraiment bon. Et puis les costumes, même pour l'époque, sont quand même plutôt pas mal. Hein. Oui, en fait, pour vous dire, les kappa s'infiltrent dans les humains sous la forme de danseurs. Donc, ça fait qu'il y a une séquence où les gens vont voir un spectacle de théâtre avec ces espèces de danseurs un petit peu avant. Garde, peut-être des séquences très 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 bizarres, mais c'était typique dans l'époque de faire aussi des films de cabaret, des films fantastiques qui se passaient dans les films de cabaret. Ishiro Honda l'a fait sur Ashman, et Nakagawa l'a fait sur Vampire Moths. Donc on arrive là déjà dans le tournant un peu plus adulte de Spaceman, tout à fait, qui va se prolonger d'une certaine manière avec le 3. Ouais, alors le 3 Attack from Space, et là déjà. Avec le 3, on peut se dire que Spaceman a vraiment été une base d'influence majeure pour Ishinomori et la création de son Kamen Rider, qui va être donc prolongée avec les derniers films, et c'est encore plus évident dans la version américaine, je trouve, vu que ça resserre le truc. Voilà, dans le 3, Attack from Space, donc Starman, Spaceman affronte clairement des nazis de l'espace. C'est ça. Mais vraiment, c'est vraiment des nazis avec l'uniforme nazi. Je crois même qu'ils font le salut nazi. Ils sont sur un satellite. rien que là, déjà, on voit la base de Shocker. Bien sûr. Voilà, on a un prototype de Shocker, rien qu'avec ce film-là. Donc. Quand on dit que Spaceman a été une influence majeure pour Ultraman et Kamen Rider, là, voilà, la filiation avec Kamen Rider, elle se voit tout de suite, parce que, des nazis, quoi. Des nazis de l'espace. C'est d'autant plus intéressant, voire limite plus drôle, j'ai envie de dire, de voir que Spaceman, c'est un film du milieu des années 50, on est à peine, on va dire, 10 ans après la fin de la guerre. Je rappelle que les Japonais et les nazis étaient alliés. Et je trouve ça drôle qu'un héros japonais affronte des nazis à peine 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a un côté très, j'ai pas envie de dire presque cathartique, mais parce qu'on a une grosse séquence qui doit durer au moins 20 minutes. Où il est canarde. Où Spaceman, lui tout seul, les dézingue en plan séquence, en plusieurs plans séquences, où il dézingue à chaque fois une quinzaine de mecs avec une machine gun, il prend deux flingues, il en bute deux à la fois, il en enferme même un dans un compartiment de lancement de missiles qu'il lance après. Ça, c'est de la pure expérimentation en termes de séquence d'action, parce que la séquence n'en finit jamais. Il a deux, trois acolytes dans le vaisseau, certes, mais il se tape à lui tout seul tout le satellite et il destroy le monde. Il doit tuer au moins 150 mecs. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui on a cette réflexion sur le super-héros, est-ce qu'il doit tuer les gens, est-ce qu'il doit... Moi ça m'a rappelé beaucoup les premiers céréales, notamment Captain Marvel, céréales des années 40, où dès le premier épisode, il prenait une machine gun et il descendait 10 mecs d'un coup. Ouais, mais après, tu vois, c'est encore plus... Enfin, il y a moins cette réflexion sur la filiation, je veux dire, là c'est un japonais qui flingue ses anciens alliés. C'est fou. Enfin, et le symboliquement, boss... tu peux pas faire... Plus symboliquement. Le boss est un blanc avec des yeux bleus. Hein. C'est ça. Un occidental un peu arien sur les bords quand même. Hein. Oui, mais clairement. Et c'est littéralement un mec qui va buter tous les petits soldats avant d'aller se faire le boss de fin de niveau en fin de film. Et c'est absolument. Ce qui est flippant, c'est de voir un super-héros commettre un génocide d'une organisation. ils ont commencé à passer à l'attaque. Avec un virus, je crois, un truc comme ça. Et là, on a presque pitié pour eux voir ce super-héros les défoncer. Le film, encore une fois, donne un côté un peu schizophrène. D'un côté, c'est le super-héros, on se dit, on est en confiance avec lui, il pourra jamais être méchant. Le bien, le mal, tout ça. Ça.
Ouais, c'est des nazis, bon, bah, bien fait pour leur gueule. Et finalement, bah, quand on voit la séquence, finalement, on se dit, putain, mais pauvres nazis, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, quoi. C'est ça, il fallait pas commencer, quoi, parce que Spaceman, faut pas le faire chier, quoi. C'est assez bizarre. Pour moi, ça reste le meilleur en termes d'action, celui-là. Je dirais que le deuxième est super en termes d'atmosphère. C'est horrifique. Ça, c'est. Le troisième, c'est le climax d'action, quoi. Limite, ça aurait été intéressant de voir un film avec le scénario du 3, mais avec la réalisation du 2. Du 2, ouais. Voilà. Et ensuite, on a le dernier. Alors, le dernier, déjà, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose entre l'épisode 6 et l'épisode 7, oui. Qui a créé une espèce de polémique à l'époque, qui n'est pas celle de Spaceman désinguant tous ces nazis. Alors, on pourrait le croire. Hein. Non, en fait, il faut savoir que Spaceman va devenir tellement populaire que les enfants donc, vont s'identifier à lui. Il y a eu un cas, en fait, où un enfant s'est tellement identifié à lui qu'il s'est déguisé en Spaceman. Du coup, il avait mis une cape et tout, et il a sauté par la fenêtre. Et il s'est blessé, le petit, là. Ouais, mais... Il était comme il faut, hein. Ouais, et du coup, bah, ça a remis en cause certains dilemmes moraux. Et du coup, Tero Ishii va décider de quitter l'aventure, c'est si dommage, je puis dire. C'est dommage. Parce qu'apparemment, il était traumatisé par cette histoire. Oui, il enfin, s'attendait pas à ce que ça devienne aussi... En tant que cinéaste, il avait la responsabilité du personnage, et il a vu que son personnage, bah, finalement... provoquer des dérives, et bon, bah, il est tout simplement parti. Alors qu'on sent qu'il s'épanouissait de plus en plus dans le... Mais c'est ça. Même au niveau de la réalisation de Spaceman, ça se voit, parce que autant, donc, comme on le disait, c'était des épisodes en deux parties à chaque fois, là, les trois derniers vont être des stand-alone réalisés par d'autres réalisateurs. Il y a vraiment une rupture entre les épisodes 1 à 6 et les épisodes 7, 8, 9. Tout à fait. Qui sont à la fois très différents et très complémentaires, puisque... dans le 7, en fait, qui correspond à la première partie du film 4 américain qui s'appelle The Evil Brain from Outer Space. Qui, alors là, on le prévient tout de suite, le film US, c'est un gros bordel. Ah, c'est un parce que ça remonte, cosmique. Du coup, les trois derniers films ensemble, et ça essaye de faire une espèce de, bah, de suite logique. Mais voilà, imaginez trois films qui ont des scénarios qui ne se suivent jamais, essayer de faire un truc ensemble, bah, c'est un peu compliqué. C'est ça, donc dans le premier bloc, il affronte une créature avec des dents de vampire, comme ça, et où ils se battent un petit peu partout. Pareil, c'est une créature un petit peu gymnaste, qui peut sauter dans tous les sens. Et qui, moi, du coup, me fait penser quand même au premier combat de Tokusatsu. Mm-hmm. Dire, bah, quand tu vois ces séquences-là de combat sur le port, dans la ville et tout, bah, ça me fait penser au combat de Sentai ou de Kamen Rider. Tout à fait, surtout qu'ils se déplacent d'un lieu à lieu. Encore une fois, tu vois, on voit l'affiliation avec les héros contemporains. Tout à fait. Dans le deuxième bloc... il affronte des méchants Batman. Oui. Ça veut dire une organisation avec des mecs habillés tout en noir, avec des capes et une espèce de chauve-souris sur le centre. Voilà. Sûrement qu'ils sont basés de Batman, d'ailleurs, vu que ça marchait à l'époque. Tout à fait. Il va les dézinguer aussi. Donc ça, qui, là, encore une fois, fait penser à Shocker. Parce que je rappelle quand même que... c'est des mecs en cagoule. Hein. L'uniforme de Shocker fait énormément penser à des créatures ailées ou à des chauves-souris, enfin voilà, à des créatures qui ressemblent quand même aux créatures qu'il a, enfin que ces personnes-là ont sur le torse. Avec un pompon, je trouve. Ouais. Avec un pompon, ça aurait été mieux. Et dans le troisième bloc, il affronte un savant fou qui met au point justement une espèce de créature comme ça, une espèce de cerveau comme ça, qui un organisme créé artificiellement. Et le final, c'est un gros bordel. Hein. C'est un foutoir total, ça explose dans tous les sens. Spaceman se bat encore contre des mecs un peu partout. J'ai l'impression qu'ils ont tout réuni. Spaceman, c'est un peu le Steven Seagal du Tokusatsu. Grave, en fait. Mais il est très peu expressif en fait. Hein. C'est un personnage qui a pas trop d'arc dramatique. En fait, c'est vraiment un personnage donc qui d'un seul bloc et bon, il peut se transformer en, enfin, il a une tenue civile qui est il ressemble à Clark Kent. À Clark Kent sans les lunettes, mais sans expression. C'est-à-dire, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Spaceman. Mais comment tu t'appelles sinon ? Je m'appelle Spaceman. Voilà, c'est. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ces donc, films. Les films en version US sont quand même disponibles en DVD aux États-Unis. Dans des éditions qui sont quand même assez riches, il y a notamment des petits épisodes d'animés de l'époque, Planète Prince, par exemple, Prince Planète, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, tout à fait. Voilà,
c'est agrémenté de ça. Franchement, c'est plutôt sympa. Et puis les films sont quand même dans un bon format. Il y a des petits trucs d'Auguste Ragone aussi. Ouais, il y a des petits écrits d'Auguste Ragone. Non, franchement, c'est cool. Par contre, ne vous étonnez pas si vous voulez commander d'avoir du DVD-R. Je vous préviens parce que maintenant, ces DVD-là sont faits à la demande. Oui. Donc, voilà, vous avez la jaquette et tout. Hein, c'est pas du pirate, je vous rassure. Mais voilà, c'est juste... que maintenant, c'est fait à la demande et c'est dispo en DVD. J'ai un conseil, moi, par contre, c'est très important, ne les regardez pas tous à la suite. Ouais. Espacez-les, parce que ça reste quand même très dur dans ce format américain de les regarder, parce que, c'est, comme je vous disais, ça rend l'expérience très austère, donc espacez-les. Moi, je les ai regardés sur une semaine et vraiment, c'était assez difficile. Voilà. Par contre, pour terminer un peu sur Spaceman, c'est vrai que c'est un personnage qui n'a plus été refait depuis. C'est un personnage qui a vraiment vécu à fond son époque, mais qui a été surclassé assez rapidement, en fait. Donc, du coup, il sera été un épiphénomène, en fait. Ça aura été vraiment un personnage marquant sur le temps. Et ensuite, le concept étant ce qu'il est, c'est-à-dire... fondamentalement très limité, tu ne pouvais pas le décliner. Aujourd'hui, faire un remake de ce personnage-là, ce serait impossible. Remarque, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait éventuellement essayer de le faire, notamment quand tu vois les nombreux revivals de Superman, notamment avec Superman Returns, puis Man of Steel, tout ça. On pourrait essayer de revenir avec un personnage comme ça, fédérateur, un super-héros tout de blanc vêtu au Japon, mais dans la mesure où le Japon à d'innombrables super-héros qui se ressemblent de plus en plus et où finalement y a très peu de place pour un concept un peu original entre guillemets, ça risque d'être assez difficile de faire un remake de ce personnage-là. Honnêtement, vu que les Japonais sont quand même relativement amnésiques sur certains personnages des années 50, déjà quand tu leur remets Godzilla en mémoire, c'est « Ah ouais, c'est quoi, c'est le dinosaure ?» Alors t'imagines un mec comme Spaceman qui a juste vécu son époque et qui n'a jamais été refait depuis, ça serait très compliqué, outre l'aspect... Outre, il penserait que c'est un concept totalement nouveau et justement il crierait au génie parce que. Il ferait une parodie. C'est bien. Ou alors il ferait une parodie. Ou alors il essaierait de faire un film sérieux mais qui ne marcherait pas parce que tout le monde s'en fout. Moi, il ferait un truc à la Zaborgar, c'est-à-dire complètement ironique avec que des vannes. Oui, le héros. Ce serait un peu dommage. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser ce personnage-là dans son époque. Voilà. Alors, il faut savoir que dans le sillage de Spaceman, il y a eu d'autres héros cosmiques, d'autres champions de l'espace qui sont venus sur Terre pour nous aider, cas aider le Japon. On vous avait parlé de ce super-héros incarné par Sonny Chiba, Iron Sharp dans une émission précédente, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de héros qui ont un peu suivi le concept, comme ça, que ce soit du Gecko Kamen ou du Spaceman. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, dès 1958, une série qui s'appelle Yusei Oji, qui veut dire donc le prince des planètes, ou le prince de l'espace, qui était une série avec un personnage qui ressemblait beaucoup à Spaceman, avec un personnage un petit peu en baby gros, adulte, donc qui sauvait la Terre et qui aimait bien les enfants. C'était contemporain de Spaceman, parce que Spaceman, c'était 57, c'était 58. C'était purement opportuniste, par contre, pour le personnage, il a été décliné en manga et tout ça. Et donc en 1959, la Toei décide de faire deux moyens-métrages, pareil, une histoire en deux parties, donc qui sort au cinéma. Sauf que là, c'était des films beaucoup plus longs, parce que c'était des films d'une heure à chaque fois. Tout à fait. Pour ça, par contre, ils modifient complètement le look du personnage, ils lui mettent un casque avec un... avec une espèce de paire de lunettes visière transparente, il change d'acteur aussi, donc on a ce film en deux parties, donc Yusei Oji, donc qui sort en 59, qui a été réédité lui aux USA, enfin remonté sous la forme d'un film d'1h25, qui est disponible dans le DVD, donc avec le film avec Sonny Chiba. Voilà, ça s'appelle donc Prince of Space, Yusei Oji, aka Starman, je sais pas pourquoi. Donc en fait, c'est très très proche de Spaceman, c'est-à-dire on a une faction d'extraterrestres avec des longues moustaches et des longs nez qui arrivent sur Terre avec leur chapeau pointu donc pour conquérir le monde, of course, et donc le Prince of Space arrive sur Terre pour aider les scientifiques, pour garder les enfants. C'est globalement la même histoire. Voilà, c'est un mec invulnérable avec une cape. Voilà. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film-là, c'est le design des vaisseaux. Oui, tout à fait. Puisque, si je me souviens bien, les aliens... ont une espèce de vaisseau foreuse qui anticipe un peu le look du fameux Gotengo, qui est quand même assez sympa. Après, faut savoir que le film en version US, c'est pareil, c'est assez incompréhensible. Là, vous avez un film de 2 heures, en deux parties, et que vous remontez en coupant une demi-heure.
Enfin, c'est assez. C'est très chiant, bizarre. Moi, j'ai rien compris. Disons l'expérience. J'avoue que je voyais le film qui passait. Et tu restes ouais, à la porte. Il y a un héros, il y a des méchants, voilà. Ça je le conçois, je vois à peu près ce qu'il veut faire, mais des fois ça passe tellement vite, ou des fois ça oublie totalement de parler de quelque chose. C'est un peu bizarre. Enfin, je sais que moi je suis pas rentré dedans. Autant dans les Spaceman, j'arrive. Autant là, c'est un peu... Je sais pas. Bon, il faut savoir qu'en termes de mise en scène, ça vaut pas ce que fait Teru Uchi. C'est quand même... Il y a un début d'esprit Toei qui est là, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore très dynamique. Le problème, c'est que quand tu as ces deux blocs d'une heure, ils sont faits pour être vus séparément. C'est-à-dire, on a un début, un milieu et une fin. Oui, là, ça finit pas en les temps de respiration doivent exister entre les deux films. Le problème, c'est que quand tu combines les deux sur une heure et demie, ce ne sont pas des films qui sont censés être combinés tous les deux pour faire une heure et demie. Mmh. Donc ça rend l'ensemble, déjà en plus de dénaturer l'œuvre, ce qui est le propre des Américains à l'époque, ils conforment finalement ces deux films selon les standards de médiocrité des séries Z américaines de l'époque. C'est-à-dire, on rend le tout très cheap, on enlève encore une fois les génériques, les chansons, tout l'aspect fun, ça part aux toilettes. Et je me demande ce qu'avaient les distributeurs et les producteurs à l'époque, parce qu'ils disaient, mais c'est des trucs pour les enfants. Oui. Donc pourquoi pas pour les enfants. Enfin, c'est tellement cheapo, c'est tellement austère. Non, mais si tu veux, ce qui me tue. Les enfants, j'ai du mal à les imaginer suivre un film d'une heure et demie où, clairement, il se passe rien, quoi. Ce qui me tue, c'est que les prods japonaises, surtout, c'est des trucs d'une heure. Quand tu voyais le poster et quand tu voyais les films, on ne montait pas sur la marchandise. Tu savais que tu allais voir une heure d'action, d'aventure. Oui, oui. Tu le savais. Alors que les Américains, quand tu vois leur série B, série Z des années 50, tu vois genre le super monstre et tout, et tu tapes un film qui fait 1h20 avec un quart d'heure de monstre à faire. On dirait qu'ils ont voulu faire ça avec ça. Et il y a cette incompréhension d'un produit étranger qui est fait pour être vécu de façon fun et en différentes parties. Et les mecs, en voulant sûrement l'exploiter en une seule fois, ils ont cru qu'ils allaient faire un bon deal, mais en fin de compte, ils ont fait un truc très chiant. Et encore une fois... Quand tu extrais le fun d'un truc comme Yusei Oji, ça ne vaut plus rien. Pour moi, le problème de Prince of Space, c'est qu'effectivement, tu te fais chier parce que tu n'as plus les musiques, tu n'as plus le fun, tu n'as plus les bruitages, tu n'as plus rien. Et, par le héros qui est plutôt pas mal. Le héros est sympa. Il est beau, je trouve. C'est un mec jeune, il lui met la voix d'un mec de 50 balais. Même une série comme Giant Robo, quand tu la vois dans sa version US, tu as l'impression de voir un truc relou, alors que c'est quand même très fun et très dynamique. Et tu as ça sur les Spaceman. Sur les Spaceman, c'est quand même compensé parce que la mise en scène de Teru Uchi, elle déchire. Oui, donc, Spaceman, ça passe parce que c'est des épisodes de serial en deux parties. Donc tu peux te permettre de couper certains petits morceaux par-ci par-là et d'en faire un film d'une heure et demie sans trop dénaturer l'œuvre. Quand tu as deux films différents, c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est... Moi j'étais là, je regardais le truc et j'étais à la sortie. Au bout d'une demi-heure, j'ai lâché le truc, je me dis je fais un truc tout en le regardant. Parce que quitte à me livrer un truc. Elle me livrait une formule comme l'œuvre originale, l'œuvre originale Piece of Space, c'était une formule, rien de neuf. Rends-moi au moins la formule excitante et dynamique. C'est ça le problème. Et la version US te fout ça aux chiottes, hein. Je suis désolé. Ouais. Donc voilà, donc moi je peux difficilement vous conseiller Prince of Space, je préfère plus l'autre, Invasion of the Nine Men. Parce qu'il y a Sonichiba. Voilà, mais parce qu'il y a Sonichiba, parce que c'est le même massacre, hein, c'est le même délire. Hein. Les mecs pensaient faire des opérations commerciales cheap. Même si encore une fois ça passe mieux parce que Invasion of Neptune Men c'était un film et pas une franchise de films recollée par-ci par-là. Donc là, ça passe peut-être un peu mieux quand même. On a plus ce sentiment de voir quelque chose de linéaire. Alors que c'est vrai que Prince of Space. Ça, c'est dur. Hein. C'est. C'est très très dur. Très dur. C'est très compliqué. C'est très dur. Moi, je ne vous le conseille pas. Voilà. Mais vous pouvez toujours vous procurer le DVD. Mais c'est intéressant de parler de ces airs. Oui, mais il faut en parler parce qu'il y en a eu plein. Celui-là, il y en a eu tant d'autres. Mais c'est vrai que celui-là est très connu aux États-Unis aussi. Hein. Il est passé souvent à la télé. Il est passé aussi dans le Mystery Science Theater 3000. C'est un film qui a l'habitude d'être parodié. Et c'est dommage. Justement, ça montre parce que les mecs ont chié leur travail à l'époque, donc c'est pour ça que ce film-là a été parodié à cause des versions américaines qui étaient totalement médiocres. Tout à fait. Voilà, donc on continue avec notre Dikotoku consacré à Ken Utsui.
Dans ce Dikotoku, nous allons vous parler de Monsieur Ken Utsui, qui incarne donc Spaceman dans les 9 films produits par la Shinto. Donc, Monsieur Utsui, qui est un acteur de théâtre, de télévision et de cinéma, qui a commencé sa carrière dans les années 50 avec plusieurs rôles. Apparemment, il serait dans les 7 samouraïs, dans le rôle d'un samouraï qui passe vite fait à l'écran. Ce qui serait pas étonnant dans la mesure où tous ces acteurs-là étaient sous contrat et s'échangeaient d'un réalisateur à l'autre. C'est pas étonnant, enfin moi ça m'étonnerait pas. Voilà, à vérifier maintenant, c'est l'info 100% sûre. Bien sûr, il s'est fait connaître dans le rôle de Spaceman, et il faut dire quand même qu'il donne de sa personne, hein, le bougrin, parce que les séquences d'action tournées en plan séquence qui durent, où il doit se battre... Surtout que je suis même pas sûr qu'il ait de doublure. En fait, il y a certains plans où il est doublé, où on voit Spaceman partir au fond de l'écran et revenir devant, tu sens qu'il est doublé par moment, mais c'est vrai que la plupart du temps, il n'est pas doublé. Hein, tu le vois se battre contre des mecs, il leur fait faire des roulades, il en prend deux, il est contre un mur et tout ça, tu te dis... le mec, quand même, il y va. Mais déjà, j'ai l'impression que c'était quand même un acteur qui avait un certain charisme physique. Oui, parce que déjà, quand tu le vois dans Spaceman, tu vois que c'est pas un gringalet. Il est très carré. C'est marrant parce que je pense qu'on lui a demandé des choses très spécifiques dans le rôle. Parce que quand il est en civil, il est mono-expressif. Il joue tout le temps le rôle du mec sérieux en costard avec le chapeau Fedora sur la tête. Mais dès qu'il est en Spaceman, il commence à se battre. Il se marre. Il a des scènes avec les enfants. Hey, mon petit Toshiro, comment vas-tu ? Totalement paradoxal. C'est ça. À la fin, il fait toujours le petit coucou à la caméra avant de partir. Et il faut savoir qu'il n'aimait pas du tout ce personnage-là. Jusqu'à sa mort en 2014, il a toujours refusé de parler de Spaceman. Il détestait le personnage pour des raisons, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop les raisons. Je sais qu'il y a une raison qui est peut-être débile. Et qui est croustillante. Mais qui est croustillante, c'est qu'à l'époque, les producteurs pensaient que les femmes étaient intéressées, on va dire, par des hommes qui avaient une forte anatomie, on va dire. Voilà. Et quand vous regardez les films, c'est vrai que ça se voit. C'est qu'en fait, ils lui ont clairement gonflé ce qu'il a dans le pantalon, pour le dire clairement. Et en fait, donc, ils lui ont mis du rembourrage en coton pour qu'il ait un organe un super giant, plus développé, on va dire, pour apparemment essayer d'attirer le public féminin. Mais c'est vrai qu'ensuite, il a su se séparer de ce rôle-là pour ensuite faire d'autres... Ce qui n'a pas été le cas de d'autres personnes. Le pauvre George Reeves, par exemple. Ouais. Mais je pense qu'ils avaient aussi une difficulté à l'époque d'être étiqueté ou associé à un personnage de super-héros, donc il fallait faire autre chose rapidement pour casser l'image. C'est ça. Et il a fait pas mal de films avec la Daiei, notamment un film qui s'appelle La Grande Muraille, qui était une grosse production à effets spéciaux avec Shintaro Katsu. Gros film, gros succès à l'époque. Et il a fait un film que j'ai dans ma DVD Tech qui est génial, qui s'appelle Wind Velocity 75 Meters, qui est un polar où il joue le rôle d'un journaliste qui enquête sur des magouilles autour de la construction d'un animal. Il joue le rôle principal. Il y a deux rôles masculins principaux. Et en fait, le film, la dernière demi-heure, c'est une grosse scène catastrophe dans laquelle on a un typhon qui ravage le Tokyo, en fait. On a des maquettes de Tokyo absolument splendides et on voit des effets spéciaux assez géniaux. Shigeo Tanaka, voilà. C'est le réalisateur de Gamera contre Baru. Exactement, c'est tout à fait lui. Donc le savoir-faire Daiei, on va dire, dans toute sa splendeur. Et Monsieur Utsui est génial dans ce rôle de ce journaliste qui se la pète un peu, qui est un peu kéké, tout ça. Il est superbe dans ce film. Plus tard, dans les années 70, il va jouer dans une grosse production de la Toei qui s'appelle donc le fameux film que nous aimons beaucoup et que nous n'avons pas encore vu, qui s'appelle donc le Super Express 109. Donc ce film avec Sonichiba, Takashi Shimura, ce fameux film sur le train, donc sur le Shinkansen, dans lequel il joue dedans. Voilà. Ouais. Donc il a continué sa carrière, ensuite il a joué pas mal fait de télévision, et récemment il avait joué dans un drama à succès qui s'appelait Gokusen, qui a donné lieu à un film notamment. Donc voilà, Monsieur Tsui, donc Spaceman Forever, hein, qu'il le veuille ou non, mais c'est vrai que moi personnellement, avant de voir les films, j'ai toujours vu son nom mis en avant, Ken Utsui dans Spaceman. Ce qui était plutôt dingue, parce que
voir un nom japonais dans, enfin, sur une affiche française, même d'un film japonais, mais c'était quand même assez rare. Je me demande même si ça se faisait à l'époque. Parce que ce nom aurait été Ken Michaels ou Ken Charles dans Spaceman. Mais c'est vrai que ça a été un des premiers mecs comme ça. Parce que je pense que le nom de l'acteur et le personnage étaient tellement liés qu'ils ont voulu aussi... Et peut-être aussi, vu que le personnage marchait, il fallait montrer que c'était toujours le même acteur qui jouait, qui jouait le rôle. Donc voilà, donc... Ce tokuscope consacré à Spaceman est terminé. On espère que ça vous a plu. Donc, on vous rappelle donc, la rétrospective Shinto qui commence le 22 mars et qui va se prolonger jusqu'en septembre. Ouais. On aura des films d'auteur et pas mal de films d'exploitation, des films d'horreur certainement. J'espère que les Spaceman feront partie de l'aventure. J'espère aussi. Ce serait cool. J'espère aussi. Au moins deux. Peut-être pas les neuf, mais au moins... Un bloc de deux, histoire de faire une petite soirée thématique un peu fun. T'avais quelque chose à dire, Jean-Marc? Ouais, juste avant de conclure, parce que là, on vous parle de héros très rétro, très vintage. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement qu'on fasse une émission sur Gekko Kamen ou sur Maboroshi Tentei, qui sont donc les premières séries de Tokusatsu? Parce qu'on n'a pas envie de faire une émission si ça intéresse personne, donc vraiment, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous tente? Mettez les commentaires. N'hésitez pas à le dire. Si ça vous tente, on le fera, il n'y a aucun problème. Il y a quelques DVD dans nos collections, donc ça devrait aller. Voilà, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on essaiera de faire quelque chose autour de ces personnages. Tout à fait. Bah, d'ici là, vous pouvez toujours nous suivre sur les mêmes endroits, sur le site de Cinéfeuze, sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Cinéfeuze, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur le Tipeee qui est toujours ouvert. Voilà, donc on va sûrement créer des contenus spécial tipeurs prochainement, dans les mois à venir, nous l'espérons. Voilà, donc Jordan, on se quitte avec une petite musique. Le générique japonais, le thème japonais que de tu es allé. Non, parce qu'en fait, Shumei, enfin pour les 90 ans de Shumei Watanabe, ils ont sorti un album de choses rares et inédites. Il y a des trucs qu'ils ont exhumés, mais que tu t'imaginerais même pas, dont le thème de Super Giant. Donc c'est la première fois qu'il est sur un CD, donc je me suis dit ça serait cool de le mettre. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous et transmutez-vous.